bonheur, deux rôles accomplis du côté de Québec. C'est toi qui s'est transformé en quoi, en Mère Noël, en fait des étoiles? En Père Noël, finalement. Écoute, j'avais assisté aux auditions comme telle, okay, qui avaient été présentées à Québec, et j'avais rencontré des jeunes. Oui. Tout le monde était excité, il y avait une quarantaine de jeunes. Et là, Denise Filiatro a fait son choix. Et moi, sous prétexte que j'allais annoncer aux jeunes qu'ils passaient en deuxième ronde et qu'ils allaient éventuellement peut-être être choisis, je me suis présenté chez Lambert Julien, en fait, chez Étienne Gendron et Lambert Julien. Lambert Julien était au Colisée de Québec avec un groupe de jeunes pour interpréter l'hymne national lors du match des Remparts. Alors, Denise Filiatro avait pris la peine d'enregistrer un message sur DVD. Alors, je suis arrivé là avec mon ordi et j'ai annoncé les bonnes nouvelles. On regarde ce que ça va. Et là, tu me vois arriver ici dans la chambre des joueurs au Colisée. J'attends. Tu vois les jeunes qui sont là. Et là, j'ai trouvé parmi le groupe Lambert Julien. Bonjour pour la Mélodie du Bonheur. Ben, tu passes en deuxième ronde. Tu as été choisi pour aller en deuxième ronde parmi les finalistes qui vont peut-être prendre part à la Mélodie du Bonheur. Et le jeune homme qui a été choisi pour compléter la distribution de la Mélodie du Bonheur s'appelle Lambert Julien. Alors, c'est toi qui vas jouer le rôle! En deuxième ronde, mais on venait t'annoncer que tu as été choisi pour jouer dans la Mélodie du Bonheur qui va être présentée ici à Québec l'été prochain. Ouais, je suis content.